Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est AoEstWar et je suis de retour aujourd'hui après un long mois d'absence. C'est maintenant que je m'en rends compte. Je suis de retour sur Star Wars Battlefront pour continuer notre petite campagne, pour continuer la campagne du jeu. Voilà. Si j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est parce que je suis sur un projet avec Pierre Selven, donc je vais pas vous en dire plus parce que c'est personnel. Voilà. Donc commençons, charger. Donc nous attaquons Felucia, donc c'est une planète où il y a des champignons. où il y a des araignées et où il y a des droïdes. Nous allons bouger du tas de ferraille. Allez, c'est parti. Donc je coupe à chaque fois la vidéo, c'est parce qu'en fait, si je tourne en même temps que je fais passer la cinématique, ça bug. Voilà. Voilà, alors. Soldat clone, hein, comme notre habitude. Notre unité de reconnaissance est attaquée par des créatures... Bien, chef. Alors, on commence... Voilà, c'est Felucia, c'est magnifique, c'est beau, c'est plein de choses, plein de belles choses. Donc là, on va avoir des espèces d'araignées, d'énormes araignées, des Aklaïs. Alors, la technique, c'est de se mettre en hauteur. Éliminer ces créatures avant qu'elles ne déciment notre unité. Comme ça. Hop, donc faut les allumer parce qu'autrement... autrement, après, on est dans la merde si elles vous attaquent. Donc, ces bestioles, elles apparaissent... On les voit dans des épisodes de Star Wars. Donc, dans le 2, d'ailleurs. Dans l'arène de Geonosis, quand Obi-Wan se bat contre dans l'arène. Et d'une, allez, bam. Et de deux, là il y en a une. Eh ouais, fumier, tu peux pas m'attraper. Va chercher le chien. Boum. Voilà. De deux. Hop. Donc après, il y aura des droïdes, il y aura des tas de ferrailles à buter. Là, j'ai plus de grenades, fais chier. Voilà, clac. Deux. Il en reste encore deux. Oui, je sais, c'est bien que c'est compté, mon pote. Ouais, ouais. Oh, j'ai plus de cartouches non plus dans mon. Alors, il est où? Il est par là. Hop, donc faut que je pique un sprint vers le centre de commandement pour pouvoir changer de personnage. Je vais prendre un lance-roquette, je pense. Ou autre, je sais pas, je vais voir. Alors, hop, je peux pas encore le prendre. Les renforts ont atteint un seuil critique. Allez, insertion. Hop, on va se les faire au snipe. Vous me verrez utiliser un snipe pour la première fois. Je préviens tout de suite, je suis une merde. Hop, donc on se retourne se poster sur les hauteurs. Hein. C'est pas nouveau. Bah alors. Ah d'accord, c'est quoi ce truc de merde? La gueule. Est-ce que ça peut gueuler ce truc? Bon, on va se faire tuer, hein.
pour vous, voilà, vous vous faites piétiner allègrement comme un chien. On va retourner en soldat lourd. Hein. Hop. On va se les faire relance patate. Hein. Oh. Ah, arrête de bouger. Bien joué. Tiens. Encore un. Oh putain. Voilà. Des unités de la CSI approchent de la zone. Défendez le STTT jusqu'à l'arrivée du maître Jedi Sekoura. Bien chef. Donc Sekoura, c'est une Jedi qui a deux sabres. Ça c'est sympa à contrôler. Ah génial, il y a un poste de commandement maintenant. On retourne en soldat clown. Quoique attendez, hop. Technicien. Alors, quand vous avez des droïdes à proximité et qu'ils sont cassés, vous prenez un cutter à fusion. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Hop, on retourne en soldat clone. Insertion. Hop, comme ça vous pouvez après vous recharger. Allez, on y va. On va tirer sur du droïde. Hop. Donc des droïdes de combat. La gueule. Autrement, je sais pas. Je te salue Pierce, voilà, je voulais le dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné une vidéo ensemble, j'espère qu'on pourra en faire une bientôt. Ce serait pas mal, c'est sympa. Et puis passe une bonne nuit parce que en fait là pendant que je tourne la vidéo il est tard pour Pierce. Il doit être dans les minuit. Je regarde l'heure, il est ouais 23h. Minuit. Ah merde. Merde. Je tue un copain. Hop. Voilà, c'est elle. Hop, c'est un schtroumpf. C'est parti. Récupérer sa cellule d'énergie et rapporter-la. Cela bien, chef. De réactiver le STTT. Bah, donc elle a tellement la classe avec ses deux sabres. Comme c'est pas permis. Voilà. Merde, dans l'autre sens. Hop, oh, donc ça va être un électrochoc, un défibrillateur pour machine. Bien joué, le STTT est de nouveau opérationnel. La CSI a lancé son offensive depuis l'arbre géant au sud. Hop, donc là. Dirigez-vous vers leur base opérationnelle et détruisez leur tourelle de défense primaire. Ah, bah je suis mort, voilà. Comment on en... Oui, on peut prendre le petit chéri. On va prendre le jetpack plutôt, ça ira plus vite. Je dois aller par là-bas. Insertion. Ok. Je me suis pété les jambes. Putain, j'ai plus l'habitude de tourner, hein. À chaque fois il y a des blancs. Ah merde. Bon autrement ça m'a bien manqué quand même de tourner des vidéos, de pas tourner de vidéos. Oui. Parce que franchement. Voilà. Ça... Ah. J'aime beaucoup le tourner avec vous. Bon, autrement j'ai pas beaucoup d'abonnés, quoique j'ai presque atteint 10, hein, je suis à 9. Mais
Oh merde. Boum. Canon à particules à bout portant, ça pardonne pas. Bah on continue. Autrement bonne nouvelle, pour mon anniversaire je vais avoir Game of Thrones, le RPG, comme j'avais promis au début de quand j'ai commencé à faire des vidéos. Donc ça va être cool. Voilà. C'est que c'est agressif en plus, c'est merde. Hop, moins 20. C'est pas génial pour de la destruction ce truc. Je peux pas les prendre. Voilà, hop, et on mèche le bouton, allez, hop, boum. Regardez, regardez. Coucou. Qui attend pour tirer? Voilà. Alors, je pense que ça va être mieux avec... Ouh. Oui, c'est vrai, je peux prendre ça maintenant. Hop, donc ça va lentement, c'est un gros pachyderme, mais n'empêche, c'est pas mal pour la destruction de masse. Voilà, et moins un. Allez, plus de 4. De 2. Plus que 3. Hop là 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 là. Il est où ce putain de canon de particules là? Hop, encore deux. Hop, il est là. Voilà, c'est fait. Bien joué. Vous avez enrayé l'assaut des séparatistes sur Felucia. Ils ont pris la fuite. Victoire. Et voilà. Donc, troisième campagne achevée. Alors là, on a le droit à la petite cinématique, normalement. Quand la relève est arrivée sur Felucia, Ayla Sikora a tenu à nous dire au revoir personnellement. A salué le courage des soldats de la 501e. Heureusement qu'on portait tous nos casques ce jour-là, parce que du courage, personne n'en aurait eu pour affronter son regard. Et donc voilà, chers amis, c'est terminé. J'espère vous revoir très vite. Voilà, donc peut-être qu'on se verra avec Pierce, ça serait bien. Et peut-être même avec avec Tainalo si ça lui dit. Voilà. Allez, à plus tout le monde, c'était Arrestoir et à bientôt.